Bonjour et bienvenue sur notreprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de la place en supprimant les fichiers d'origine d'installation des mises à jour Windows 7. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Démarrer, ensuite dans Ordinateur, double-clic sur Disque local C, ensuite Windows, puis vous allez chercher Software Distribution. Puis dans download. Dans ce dossier là, il se trouve toutes les mises à jour que vous avez installées, et vous allez voir que vous allez avoir plusieurs mises à jour. Ici moi je viens de les supprimer, il n'est pas longtemps, donc je sais pas si je peux les restaurer. Voilà, donc en fait avant j'avais des mises à jour, donc il suffit vous de votre côté de faire juste clic droit, ensuite sur supprimer. Ce dossier-là, il faut le retenir. Donc, à chaque installation de mise à jour, automatiquement, l'ordinateur il va télécharger les fichiers en les stockant dans le dossier Windows Software Distribution Download. Et puis, il va lancer l'installation de mise à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien été utile pour vous. Donc, nous allons voir d'autres vidéos qui vous montrent d'autres astuces rapides. Voilà, à très bientôt. Passez une excellente journée.